la frontière austro-hongroise. Et nous voici en Hongrie. Ces montagnes sont le Dönburger Gebirge. Sopron, la petite Prague. Pas évident de trouver le centre de Sopron. C'est loin de faire aussi riche que l'Autriche. Il y a beaucoup à réparer ici. À gauche. Sopron, Ödenburg en allemand, est appelée par les Hongrois la ville très fidèle. En effet, elle a voulu rester hongroise à l'issue du référendum sur le Burgenland. La tour du feu. Pénétrons dans le cœur de la vieille ville. Place Feu-Terre. Place Feu-Terre. Le cœur de la vieille ville de Sopron, la colonne de la peste dite de la Trinité. La tour du feu. Tustorni. La tour du feu culmine à 61 mètres. Église de la Chèvre.
phrase. Rouge, blanc, vert. Une odeur de goulash flotte dans l'atmosphère. Il est midi. Le noyau central de la ville de Chopron fait l'objet de restauration. Les alentours sont très pauvres. Mais Chopron est appelée à devenir une ville prospère parce qu'elle se trouve à la frontière autrichienne. Place des Ursulines. La fontaine de Marie date du XVIe siècle, mais n'a été placée là qu'en 1930. La Labache Az, maison sur pied, maison à arcades, où l'on présente des expositions temporaires. L'Europe centrale est à tous les coins de rue. Promenons-nous dans la petite Prague. Cette ville a également un autre avantage, c'est que contrairement à Vienne, on y est presque seul, ce qui fait que c'est très reposant. Église Saint-Georges.
la maison Storno, où est venu Franz Liszt, sur la place du Feu. L'hôtel de ville. Un dimanche à Chopronne. Le musée de la pharmacie. Patika Museum. À la terrasse d'un restaurant hongrois, au pied de la Tour du Feu. Nous avons très bien mangé des crêpes Gundel dans ce petit restaurant hongrois. Des crêpes Gundel, ce sont des crêpes fourrées avec un broyat de noix et recouvertes de sauce au chocolat. En attendant d'aller voir la Tour du Feu, nous allons aller visiter l'église sur la place du Feu. Terre. Église en rénovation. L'hôtel de ville. Le soleil est revenu en ce début d'après-midi et nous allons grimper à la Tour du Feu pour examiner le panorama depuis le donjon. Les toits de Chopronne. Sur les balcons de la Tour du Feu. C'est ici qu'un gardien autrefois regardait si les champs ne brûlaient pas aux alentours. Il prévenait les habitants de la ville d'un danger éventuel. Notre café de la place Feutère. Le musée de la pharmacie. La colonne de la Trinité. De l'église de la Chèvre. L'église Saint-Georges. Les anciens remparts de Chopronne. Le noyau historique est bien conservé, mais les extérieurs sont très pauvres. Il y a beaucoup de cités. Les Alpes autrichiennes dans le lointain. Il y a du vent, nous sommes à 61 mètres d'altitude.
promenade des remparts à Chopron. Le périphérique de Chopron. La station thermale de Buc. Dentaire. Il y en a partout en Hongrie. Les complexes hôteliers se sont formés à Buc. T'as vu, c'est partout. Buc Village. Rien d'extraordinaire à Buc Village. Nous nous dirigeons vers la ville historique de Kösszeg, le coffret à bijoux. Kösszeg, Güns en allemand. Vers le centre de Kösszeg, surnommé le coffret à bijoux. Visitons un peu ce coffret à bijoux qui est Kösszeg. Un petit train pour visiter Kösszeg. Ici, les Turcs ont été arrêtés dans leur marche sur Vienne en 1532. La porte des héros. Jurisicter, place Jurisic, du nom du capitaine qui a résisté aux Turcs. C'est le cœur de la vieille ville.
restaure, on rénove. Deux églises côte à côte, une église du 15e siècle, l'église Saint-Jacques, et juste à côté, en rénovation, l'église baroque, qui est l'église Saint-Émeric. Allons d'abord voir l'église Saint-Jacques. Si l'église Saint-Jacques date du 15e siècle, l'intérieur est déjà baroque. L'église est remarquable par ses fresques anciennes représentant Marie, les rois mages et Saint Christophe. Pas possible de rentrer dans l'église Saint-Émeric. La Hongrie, c'est aussi beaucoup de travail de réfection, de ravalement. Musée de la pharmacie, maison des graffitis, sans doute pour les feux de la Saint-Jean.